Bonjour. Dans cette vidéo, je vais prendre quelques exemples sur la variation ou l'étude de la variation d'une fonction en rappelant tout d'abord la démarche qui est explicitée à la page 135, à savoir, première étape, déterminer le domaine de définition. Pour rappel, les conditions sont dénominateur différent de 0, radicand d'une racine carrée supérieure ou égale à 0. Ça, c'est les deux conditions vraiment principales. Ensuite, on détermine f', donc on calcule la fonction dérivée avec les règles qu'on connaît maintenant. Troisième étape, on recherche les zéros de f', donc les solutions de l'équation f' de x égale à 0. Et enfin, quatrième étape, on fait un tableau de variation qui va nous renseigner sur les intervalles de croissance, décroissance de la fonction, et donc on va pouvoir en déduire la présence d'un maximum ou d'un minimum de cette fonction. Commençons par l'exemple 110 que vous retrouvez à la page 136. Dans cet exemple, nous avons la fonction f et à x, on associe comme image x cube moins 3x carré. Donc la première étape, détermination du domaine de définition. Alors, il n'y a aucune condition ici, il n'y a pas de dénominateur, on n'a pas de racine. Donc le domaine de définition, c'est R tout entier. Ensuite, f' de x. Donc il s'agit de dériver une somme. Dérivée de x cube, 3x carré, et moins 3 fois la dérivée de x carré, soit 2x. Donc on est sur 3x carré moins 6x, alors comme on recherche les zéros, il s'agit de factoriser. Donc on peut mettre 3x en évidence, fois x moins 2, tout ça, ça doit être égal à 0. Donc on se rappelle la propriété d'intégrité, lorsque le produit de deux nombres est égal à 0, alors au moins des deux est égal à 0. Donc ici 3x égale 0, donc x égale 0, ou bien x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale 2. Donc nous avons les zéros de f' qui sont 0 et 2. À ce moment-là, on peut créer, on peut passer à la quatrième étape qui est la variation, donc avec l'étude du tableau. X compris entre moins l'infini et plus l'infini, les valeurs. Alors bien entendu, je rappelle toujours placer ces valeurs dans l'ordre. On cherche le signe de f', ce qui va nous permettre d'en déduire la croissance ou la décroissance de la fonction f. Donc, les valeurs ici qui annulent f' sont 0 et 2. Donc, sous-entendu, puisqu'on a deux solutions, c'est que pour notre trinôme, delta est positif. Donc, à l'extérieur des solutions, le trinôme est forcément du signe de a qui vaut plus 3. Donc, on est ici sur un signe qui est positif à l'extérieur et donc négatif pour les valeurs intermédiaires. Ce qui va nous donner la croissance ou la décroissance de f. Là où la fonction est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée première est négative, la fonction est décroissante. Puis lorsque la dérivée première est positive, la fonction est à nouveau croissante. Donc en 0, présence d'un maximum. En 2, présence d'un minimum de cette fonction. Effectivement, sans avoir fait les limites, mais on peut le faire oralement, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini, donc à cet endroit-ci, si on part de moins l'infini, on a forcément une fonction qui est croissante, et de l'autre côté, si x tend vers plus l'infini, alors la limite vaut plus l'infini, et donc on a forcément ici, quand on arrive sur plus l'infini, forcément une fonction qui est croissante. Observons la représentation graphique de cette fonction. Donc, si nous considérons maintenant cette représentation graphique avec le tableau de variation en dessous, je vais encore préciser ici plus l'infini, alors nous avons différents points ou différents intervalles. On constate qu'on a ici la valeur 0, 0, qui est l'endroit où on atteint le maximum, tangente horizontale, avant. Donc ici, la fonction est effectivement croissante. Puis la dérivée devient nulle et la fonction devient décroissante. On est ici. On arrive en 2, dont l'image est manifestement moins 4. Hein, et là où la tangente est à nouveau horizontale, pente nulle, donc f' de 2 égale à 0, et on a affaire à notre minimum. Puis la fonction redevient croissante, la dérivée première redevient positive, donc la pente de la tangente en n'importe lesquels de ces points est à nouveau positive. On a encore d'autres points particuliers. Ici, M, l'endroit où on a le maximum, c'est un point qui est également l'intersection de F avec l'axe OX et de F avec l'axe OY. J'ai ici un autre point
qui est un point d'intersection de f avec Ox. On a évidemment un seul point maximum pour f inter Oy. Voilà pour ce premier exemple. Prenons comme deuxième exemple l'exemple 109 qui se trouve à la page 135. F de x est égal à x moins 1 sur x carré plus 1. Donc d'abord l'étude du domaine de définition. On a un dénominateur. Donc x carré plus 1 égale 0. Les solutions seront enlevées de R. On n'en a aucune puisque on a soit on étudie en se disant x carré égale moins 1, impossible. Soit on fait delta, b carré moins 4ac, on arrive à moins 4 négatif, donc impossible, c'est pareil. Donc le dénominateur est toujours différent de 0, donc df égale r. Deuxième point, chercher f'. Donc on a ici affaire à un quotient avec les valeurs f ou les fonctions f et g. Et donc on doit dériver f sur g et f sur g prime égale f'g moins fg prime sur g carré. Donc dérivée de x 1 fois g x carré plus 1 moins f x moins 1 fois la dérivée de g prime 2x sur x carré plus 1 au carré. Alors ici on n'a rien qu'on puisse réellement simplifier, donc on va simplement simplifier le numérateur en enlevant les termes semblables. Moins x carré, il nous reste moins x carré plus 2x plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Voilà pour f'. Donc il faut, dans la troisième étape, chercher les zéros de f'. Soit f' de x égale à 0, qui est équivalent à... Alors on sait qu'une fraction s'annule lorsque son numérateur s'annule. Pour autant, bien entendu, que son dénominateur soit différent de 0, ce qui est le cas lorsque, ici, pour n'importe quelle valeur de x, le domaine de définition de f' est le même que celui de f, c'est r tout entier, on n'a pas de contrainte. Donc, il s'agit de rechercher, tout simplement, moins x carré plus 2x plus 1 égale 0. Ou, en multipliant le tout par moins 1, x carré moins 2x moins 1 égale 0. Donc on est dans une situation où on a un trinôme du second degré, donc on peut bien entendu calculer delta. B carré, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois A qui vaut 1, fois C qui vaut moins 1. Soit 4 plus 4, 8, positif. Donc on a deux solutions, x1 et x2. X1 qui vaut 2 plus racine de 8, c'est-à-dire plus 2 racine de 2 sur 2, et x2 qui vaut 2 moins 2 racine de 2 sur 2. Donc nos deux solutions sont 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2. Nous pouvons maintenant dresser le tableau du signe de f' avec x moins l'infini. 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2, puis déterminer le signe de f', le signe de f. Alors parfois, bien sûr, on doit faire un tableau un petit peu plus complexe avec une ligne éventuellement pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, de manière à pouvoir ensuite déterminer le signe de f'. Ici, on peut le faire directement dans le sens où le dénominateur est forcément une expression positive. Si je reprends juste la valeur de f', on avait obtenu pour f' de x moins x carré plus 2x plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Cette expression est obligatoirement positive, donc il nous reste le numérateur qui s'annule pour 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Donc à l'extérieur des solutions, on va chercher le signe de a qui vaut ici moins 1, donc moins à l'extérieur des solutions, plus pour les valeurs intermédiaires. Ce qui nous donne une variation de f', pardon, qui est la suivante. La fonction est décroissante dans cet intervalle, puis croissante entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2, puis à nouveau décroissante. Donc on atteint un minimum en 1 moins racine de 2, et son image bien sûr, et un maximum en 1 plus racine de 2. Alors on aurait également pu chercher ici les asymptotes, faire tendre x vers plus ou moins l'infini, on obtient la limite de x sur x carré, soit de 1 sur x, donc on obtient 0, ici de ce côté, en l'occurrence c'est un 0 moins, et ici c'est un 0 plus. Et en l'occurrence c'est exactement ce que nous obtenons en observant la représentation graphique de cette fonction. Donc nous avons bien en 1 moins racine de 2, nous avons le minimum, donc à nouveau tangente horizontale, puis en 1 plus racine de 2,
c'est-à-dire 2,414 approximativement, alors nous avons le maximum de la fonction. Puis ensuite, la fonction est à nouveau décroissante. On a bien entre 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2 une fonction qui est croissante. Ici, on a, comme auparavant, deux autres points particuliers. Un point particulier qui est ce point-ci, qui est l'intersection de f avec oy, c'est toujours le point de première coordonnée 0 et de deuxième coordonnée ici f de 0, à savoir moins 1. Et puis nous avons ici un point, il n'existe pas systématiquement, ou alors il peut y en avoir plusieurs. Il s'agit ici de f inter oy, c'est-à-dire l'endroit où la courbe représentative de f coupe l'axe oy, et là nous sommes sur 1. L'image est forcément 0. C'est la solution de f de x égale à 0, c'est ce qu'on appelle le 0 de la fonction f. Voilà pour ce deuxième exemple. Merci pour votre attention. À bientôt.